مرحبا بكم أعزائي الكرام عزيزاتي الكريمات في فيديو جديد على قناتكم التربويات مع الأستاذ محمد البخاري. في هذا الفيديو إن شاء الله غادي نكملوا السلسلة ديال الفروض المراقبة المستمرة المرحلة الأولى الدورة الأولى بالنسبة للمستوى الخامس ابتدائي. كنتمنى أنكم تزيدوا دعموا قناة التربويات مع الأستاذ محمد البخاري بالاشتراك والضغط على زر الجرس باش يبقى يوصلكم جميع الفيديوهات اللي كنقدم من دروس وفروض في جميع المستويات الابتدائية إن شاء الله. إذا نبداو على بركة الله. الفرد ديالنا ديال لاغرامير عندي هنا 4 questions. غادي نحاولوا نجاوبوا عليهم جميع ان شاء الله. La première question. Encadre le groupe nominal sujet dans chacune des phrases suivantes. شنو غادي ندير؟ غادي encadrer, c'est-à-dire غادي ندير واحد الكادر علاش؟ على le groupe nominal sujet. على الفاعل. Donc, je vais vous lire les phrases. Il y en a 4 phrases. Omar va passer ses vacances au Maroc. Donc, qui va passer ses vacances au Maroc? C'est Omar. Donc, Omar, c'est le groupe nominal sujet. Hello, comme ça. Donc, Omar, c'est un groupe nominal sujet. D'accord? Va passer ses vacances au Maroc, c'est un groupe verbal. D'accord? Il habite à Marrakech. Qui habite à Marrakech? Il. D'accord? Donc, il, c'est un groupe nominal. Donc, GNS. La phrase 3. Omar et Olivier se rencontrent à la sortie d'une usine de voitures. Ils se rencontrent à la sortie d'une usine de voiture. C'est Omar et Olivier. Donc, Omar et Olivier, c'est un groupe nominal. D'accord? Comme ça. Donc, groupe nominal, sujet. Deuxièmement, maintenant, la quatrième phrase. Les deux jeunes parlent du Maroc. Qui parle du Maroc? Les deux jeunes. Donc, les deux jeunes, c'est un groupe nominal, sujet. Groupe nominal sujet. D'accord? C'est un groupe nominal sujet. C'est très bien. Maintenant, passons à la deuxième question. Donc, on a qu'à mettre le groupe nominal sujet. Ça fait. La deuxième question. Suivez avec moi toujours. Complète les phrases avec les indicateurs de temps suivants. Les indicateurs de temps. Aujourd'hui, à Lyon. Hier, à Bariha. Dans 3 jours, à Ditiltiyem. Mon ami a pris son congé. Donc, les indicateurs de temps qui t'alloquent les verbes. Donc, ce sont des qui t'alloquent les verbes. Je me sers le passé, le présent, le futur. Regardez, mon ami a pris. C'est le verbe prendre. Je me sers le passé composé. Donc, ce sont des choses qui sont le passé. C'est hier. D'accord? Hier. Donc, hier, mon ami a pris son congé. D'accord? Al-Bariha. Il arrivera à Ifrane. Regardez, il arrivera. Arrivera, c'est le verbe arriver conjugué au futur de l'indicatif. Donc, au futur, chi haja, zama, ad majja. Donc, dans 3 jours. Yani, khilal, talat ayam li jay. Dans 3 jours. Dans 3 jours. Il arrivera à Ifrane dans 3 jours. Il part en voyage. Donc, hadim chetliya, ou hadim chetliya, pratli aujourd'hui. Il part en voyage, yani, radi msafar, aujourd'hui. Vous savez? Aujourd'hui, à Lyon. Donc, hier, mon ami a pris son congé. Il arrivera à Ifrane dans 3 jours. Il part en voyage aujourd'hui. Donc, ce sont les indicateurs d'ILH, les indicateurs de temps. D'accord? Deuxièmement, la troisième question, suivez avec moi toujours. Souligne le groupe verbal dans les phrases suivantes. Donc, je vais dire, le groupe verbal, les phrases. La phrase A, B et C. La phrase A. Ce grand artiste réalise un beau tableau. La phrase B. Lina a fini sa toilette. C. Nous arriverons au Maroc mercredi prochain. Donc, où est le groupe verbal? Le groupe verbal, où est le verbe? Où est-ce que les mots là? Vous savez? Et les mots qui suivent le verbe. Donc, ce grand artiste réalise un beau tableau. Que fait ce grand artiste? Réalise un beau tableau. Donc, réalise un beau tableau, c'est le groupe verbal. D'accord? Hada, c'est un groupe verbal. Groupe verbal. La phrase B, Lina a fini sa toilette. Que fait Lina? A fini sa toilette. Donc, a fini sa toilette, c'est le groupe verbal. C'est très bien. Ça, c'est groupe verbal. Nous arriverons au Maroc mercredi prochain. Que fait-nous? Arriverons au Maroc mercredi prochain.
En fait, arriveront au Maroc mercredi prochain, c'est le groupe verbal. Donc, pardon. C'est le groupe verbal. Il a quand même un groupe verbal, il y a le moral, ou il y a un groupe nominal, il y a un groupe nominal, il y a un groupe nominal. Ça fait groupe nominal sujet. C'est très bien. D'abord, nous avons la quatrième question et la dernière question. Dans chaque phrase, cool jumla, barre l'indicateur de temps qui ne convient pas. L'indicateur de temps, les machis. C'est bien. On fêtera l'anniversaire de ma soeur demain, bien hier. Les indicateurs de temps, bien le verbe, je me sers le futur, ou le présent, ou le passé, etc., etc. Donc, on chauffe le verbe. Donc, le verbe, on fêtera. Donc, c'est un verbe conjugué au futur de l'indicatif. Je me sers le futur de l'indicatif. Donc, je vais dire futur de l'indicatif, c'est-à-dire le mustaqbel. Donc, on fêtera l'anniversaire de ma sœur. Yani, غادي نحتفلوا بعيد ميلاد ديال أختي. فوقاش؟ واش البارح؟ نقول البارح. Là, on dit demain. Demain. Donc, l'indicateur de ton lit qui ne convient pas, c'est hier. D'accord? Hier, ou اللي ماشي صحيح. D'accord? Donc, libra صحيح. Donc, on fêtera l'anniversaire de ma sœur demain. B. La semaine dernière, aujourd'hui, à Lyon, toute la famille part en voyage. Aïla Kamla, Mesham Safra. Donc, Aïla Kamla, Mesham Safra, part, c'est le verbe, partir, conjugué, présent de l'indicatif, le présent. Donc, le présent, c'est-à-dire maintenant, c'est-à-dire aujourd'hui, tout simplement. D'accord? Mais il ne peut pas dire la famille Aïla Kamla, Mesham Safra. Non. Donc, Naya, les. Qui ne convient pas, c'est la semaine, donc la semaine dernière. Rien. Donc, ce sont des indicateurs de temps. C'est bien, donc aujourd'hui, toute la famille part en voyage. La phrase c'est, il y a un mois, l'an prochain, je passerai en sixième année. Radin taqal, c'est des petits détails. Donc, غادي ننتقل السادس ابتدائي باقي ما انتقلش دونك غادي ننتقل في المستقبل دونك لو فيرب هنايا كما كتلاحظوا لو فيرب باسي كونجيغو او فيتور دو لانديكاتيف دونك واش غننتقل هادي شهر ولا غننتقل العام اللي ماجي دونك غننتقل العام اللي ماجي دونك هادي اللي صحيحه واللي ما داخلاش ولا اللي عندها ما عندهاش علاقه سي ايليا سي بيان D'accord? Donc, l'an prochain, je passerai en sixième année. D'accord? Je passerai en sixième année. Ou bien, d'abord, on commence la vidéo d'aujourd'hui. Les cas qui sont là, l'activité de la grammaire. بالنسبة للمستوى الخامس ابتدائي دائما ضمن الفروض المراقبة المستمرة دائما معكم في لي فيديو ديال الفروض بجميع المستويات الابتدائية ان شاء الله زيدوا دعموا القناة بالاشتراك والضغط على زر الجرس باش يوصلكم جميع الفيديوهات اللي كنقدم كان معكم الاستاذ محمد البخاري والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته